Ça va bien un jour. Oui, la grâce nous accompagne. Amen. Amen. C'est calme là-bas. Oui, ici c'est calme. Bon, ici on ne voit rien du tout, c'est juste, on est à la maison. Dans... Ah. Et c'était en Afrique, il y aurait du bruit dans les rues. Ah oui. C'est terrible en Afrique. Bien. Bien, juste. Tu es la source. Ok. Et tu as. Je voudrais un peu. Avertir personne sur remplis-moi de ton son, moi de prière et ma bouche te mange, remplis mon cœur de chant, car le chemin est long, il me faut ta force. Jésus, ton amour est suffisant. Ok, merci Seigneur Jésus. Nous sommes là pour te louer. Oh Seigneur, nous sommes là pour te louer. Amen. Nous sommes là pour te louer. Seigneur, nous sommes là pour te louer. Amen. Nous sommes là pour te louer. Oh, Seigneur, nous sommes là pour te louer. Amen. Nous sommes là pour te louer. Oh, Seigneur, nous sommes là pour te louer. Amen. Nous sommes là pour t'adorer. Jésus, nous sommes là. Oui, Seigneur, pour t'adorer. Amen. Nous sommes là pour t'adorer. Jésus, Jésus, nous sommes là pour t'adorer. Amen. Nous sommes là pour t'acclamer. Seigneur, nous sommes là
pour t'acclamer. Amen. Nous sommes là pour t'acclamer. Seigneur, nous sommes là pour t'acclamer. Amen. Nous sommes là pour te chanter. Seigneur, nous sommes là pour te chanter. Amen. Nous sommes là pour te chanter. Seigneur, nous sommes là pour te chanter. Amen. Nous sommes là pour te bénir. Seigneur, nous sommes là pour te bénir. Amen. Nous sommes là pour te bénir. Seigneur, nous sommes là pour te bénir. Amen. Nous sommes là pour te louer. Seigneur, nous sommes là pour te louer. Amen. Nous sommes là pour te louer. Seigneur, nous sommes là pour te louer. Amen. Nous sommes là pour te bénir. Seigneur, nous sommes là pour te bénir. Amen. Nous sommes là pour te bénir. Seigneur, nous sommes là pour te bénir. Amen. Et nous sommes là pour t'obéir. Seigneur, nous sommes là pour t'obéir. Amen. Nous sommes là pour t'obéir. Seigneur, nous sommes là pour t'obéir. Amen. Seigneur, merci encore. Nous voici ce soir devant toi. Merci pour cette grâce que tu nous donnes de venir à tes pieds, Seigneur, de venir à l'abri de tes ailes, à venir sous ton ombre, Seigneur. Oh oui, Dieu de gloire, que toi tu sois élevé. Oh Dieu de gloire, que tu sois exalté. Oh Dieu de gloire, que règne ici au milieu de nous. Parce que toi, tu es là. Tu ne peux pas être là sans régner. Parce que toi, tu es le roi des rois. Seigneur, règne. Ta parole déclare que là, deux ou trois sont réunis à ton nom, tu es là. Et Seigneur, nous croyons et nous savons que tu es là. Parce que nous sommes plus de deux. Et toi, tu honores toujours ta parole. Sois ainsi glorifié, sois exalté. Merci pour tous les bien-aimés qui ne sont pas encore là, qui vont nous rejoindre, et ceux qui nous ont déjà rejoints. Seigneur, que ta bénédiction se manifeste puissamment, ô Dieu, dans leur vie. Merci, mon roi, pour ta protection, la protection que tu leur assures, mon roi. Je te remercie, Seigneur, pour la révélation de toi-même, Seigneur, que toi, tu nous fais encore ce soir, par ta parole et par ton Esprit Saint. Esprit de gloire, remplis-nous au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Jésus est au milieu de nous. Sauve-nous sur nous. Je vous aime tout. Sa douce voix l'entend. Je vous aime tout.
Jésus est au milieu de nous. Son regard s'abaisse sur nous. Sa douce voix de vous. Je veux vous bénir tous. Sa douce voix l'entendez-vous. Je veux vous bénir tous. Jésus est au milieu de nous. Son regard s'abaisse sur nous. Sa douce voix l'entendez-vous. Je veux vous sauver tous. Sa douce voix l'entendez-vous. Je veux vous sauver tous. Je veux vous sauver tous. Sa douce voix l'entendez-vous. Je veux vous sauver. Tous. Merci Seigneur, toi tu es venu pour nous sauver, tu veux nous sauver Seigneur, nous te bénissons, nous te magnifions, nous t'exaltons parce que tu es Dieu, nous te remercions parce que tu es le Tout-Puissant, nous te magnifions parce que tu es celui qui a le monde entier dans ses mains. Oui Seigneur, à toi soit la gloire. À toi la louange, alléluia. Oui, il y a un Dieu. Oui, il y a un Dieu. Oui, il y a un Dieu. Maître des temps et des circonstances. Il y a un Dieu. Oui, il y a un Dieu. Oui, il y a un Dieu. Il y a un Dieu, maître dans les circonstances, celui qui ressuscite les morts. Oui, il y a un Dieu, maître dans les circonstances, il y a un Dieu, oui, il y a un Dieu, alléluia, oui. Il y a un Dieu, oui, il y a un Dieu, maître des temps et si bon. Oh, il y a un Dieu, oui, il y a un Dieu, oui, il y a un Dieu, oui, il y a un Dieu, maître des temps et si constant. Il a ressuscité Lazare. Après 4 jours dans le tombeau, oh oui, il y a un Dieu, maître des temps et des circonstances. Il y a un Dieu, oui, il y a un Dieu, oui, il y a un Dieu, oui, il y a un Dieu, maître des temps et des circonstances. Il y a un Dieu, oui, il y a un Dieu, oui, il y a un Dieu, oui, il y a un Dieu, maître des temps et si constant, ça va changer, à tel temps, ça va changer, un peu de temps, ça va changer, et un peu, au nom de Jésus. Et oh, ça va changer, et un peu, oh, ça va changer,
au nom de Jésus. Oh, ça va changer. J'ai un territoire. Oh, David était un roi. S'est levé pour chanter. David était un roi. S'est levé pour danser. David était un roi. S'est levé pour danser. S'est levé pour danser. Louer le Seigneur. David était un roi. Il s'est levé pour danser. David était un roi. Il s'est levé pour danser. David était un roi, s'est levé pour danser. Il s'est levé pour danser. Louez le Seigneur, louez, 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 louez le Seigneur. Louez, louez, louez le Seigneur. Louez, 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 louez le Seigneur. Louez le Seigneur, louez le Seigneur. Louez, 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 louez le Seigneur. Louez, louez, louez. Louez le Seigneur, louez, 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 louez le Seigneur, louez le Seigneur, louez le Seigneur. Et toi aussi mon frère, louez le Seigneur. Et toi aussi ma sœur, louez le Seigneur. Et toi mon ami, louez le Seigneur, louez le Seigneur. Louez le Seigneur, louez, 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 louez le Seigneur, louez, 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 louez le Seigneur, louez, 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 louez le Seigneur, louez le Seigneur, louez le Seigneur. Oui, sois conscient, oh, il est là. Sois conscient que le Seigneur est là. Oui, sois conscient. Oh, sois conscient. Il est là. Oui, oh, sois conscient que le Seigneur est là. Oui, sois conscient, mon frère, sois conscient. Oh, il est là. Sois conscient que le Seigneur est là. Jésus est là. Sois conscient. Sois conscient, mon ami, il est là. Merci, Jésus. Sois conscient que le Seigneur est là. Oh, Jésus est là. Sois conscient. Oh, il est là. Sois conscient que le Seigneur est là. Jésus est là. Sois conscient. Sois conscient, mon frère, il est là. Oh oui, sois conscient que le Seigneur est là. Oh, Jésus est là. Sois conscient, mon frère, il est là. Oh, sois conscient que le Seigneur est là. Jésus est là. Sois conscient. Oui, sois conscient. Il est là. Sois conscient. Le Seigneur est là. Jésus est là. Sois conscient. Oh, il est là. Sois conscient, oh Jésus, que le Seigneur est là. Merci Jésus, tu es là. Sois conscient, il est là. Sois conscient, conscient que le Seigneur est là. Jésus est là. Sois conscient, oh oui, il est là. Sois conscient que le Seigneur est là. Oh, Jésus est là. Sois conscient. Oh, conscient, il est là. Sois conscient
Jésus est là. Sois conscient. Oui, Seigneur. Alléluia. Il est là. Sois conscient. Que le Seigneur est là. Oh, Jésus est là. Sois conscient. Oh, il est là. Sois conscient que l'Esprit est là, Jésus est là. Sois conscient, mon Père, il est là. Sois conscient que le Seigneur est là, Jésus est là. Sois conscient, il est là. Sois conscient que le Seigneur est là. Oh oui, Seigneur, que ta gloire remplisse l'univers. Alléluia. Que ta gloire remplisse l'atmosphère, Seigneur. L'atmosphère des États-Unis d'Amérique. L'atmosphère, Seigneur, de Georgia. L'atmosphère d'Atlanta soit remplie de ta gloire. Alléluia. Seigneur, c'est toi qui as reçu le pouvoir d'assujettir toutes choses. Alléluia. Ainsi, au nom de Jésus-Christ, nous proclamons que Jésus est vainqueur. Au nom de Jésus, nous marchons sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut nous nuire. Au nom de Jésus, nous imposons les mains sur les malades et les malades sont guéris. Au nom de Jésus, je peux tout par Christ qui me fortifie. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ma vie est cachée avec Christ en Dieu. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Oh, gloire! Il m'a guéri de toutes sortes de guérisons il y a plus de 2000 ans par ses meurtrissures. Alléluia! Béni soit ton nom, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Tu es merveilleux, Jésus. Tu es glorieux, Seigneur. Reçois la gloire, reçois la louange, reçois la bénédiction pour l'éternité et l'éternité. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous pouvons passer à la parole. Nous donnons la parole à Papa Joseph. Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Glory. Que Dieu soit béni alors. Amen. Il nous aime, il a des conseils toujours à nous donner pour notre Amen. Conduite. Il est bon, il est merveilleux. Alors aujourd'hui, nous allons nous exhorter sur les dernières exhortations, dans les derniers chapitres de l'Épître aux Hébreux. Dernier chapitre, le chapitre 13. Et tout le chapitre 13, on nous exhorte, on nous demande ce que nous devons faire. Le Saint-Esprit nous a donné trois passages, mais nous n'allons pas insister sur les trois passages, nous allons les lire en passant. Mais le verset clé, ça sera aux troisième exhortation. Nous lisons dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 13, nous lirons à partir du 15e verset. À partir du 15e verset. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité. Car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Obéissez à vos conducteurs
et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Ça ne vous sera d'aucun avantage. Alors vous savez que la louange, Dieu veut notre libéralité, Dieu veut que nous puissions faire des choses, mais aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le 17e verset. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. Je suis en train de lire dans la version Louis II du 1910. Car il veille sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'il le fasse avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Je voudrais lire le même passage, mais dans l'autre version, en le français courant. Obéissez à vos dirigeants. Et soyez leur soumis. En effet, ils veillent constamment sur vous, puisqu'ils devront rendre compte à Dieu. Faites en sorte qu'ils puissent accomplir leurs tâches avec joie et non en se plaignant, ce qui ne vous serait d'aucun profit. Chers frères et sœurs, peut-être vous pouvez croire que c'est léger, mais c'est très profond. Dieu a établi de l'ordre sur terre. Nous sommes tous des chrétiens, mais il y a une certaine hiérarchie que Dieu a créée. En créant l'homme et la femme, il a créé en premier l'homme, et puis il a créé la femme, et après, ce sont les enfants qui viennent. Si cet ordre-là n'est pas respecté, il y a du désordre dans cette cellule, dans cette famille-là. Parce que Dieu, la Bible dit qu'il faut se lever devant le chevet blanc et aller droit au premier occupant. Le premier occupant de cette terre, c'est l'homme. Oui, suivi de la femme. Et enfin, les enfants viennent constituer une société. La société commence. Et l'Église est ainsi faite. Quand nous venons dans une Église, Dieu a établi cet ordre pour veiller sur son troupeau. Si nous lisons dans Actes 20, verset 28, Paul dit, prenez soin du troupeau sur lequel Dieu vous a mis surveillant. Mes chers frères et sœurs, il y a des choses que nous n'arrivons pas à obtenir parce que nous sommes indisciplinés. Nous sommes désobéissants à la parole de Dieu. Nous ne voulons pas faire ce que Dieu nous demande de faire, ce que le Saint-Esprit nous demande de faire. C'est peut-être avec amertume au cœur que nous constatons qu'il y a des chrétiens qui se disent qu'ils sont arrivés et qui n'ont pas d'égard envers leurs responsables, qui n'ont pas d'égard envers leurs pasteurs, qui n'ont pas d'égard envers ceux qui les dirigent. Et la Bible dit que cela ne vous sera d'aucun avantage. C'est la Bible, nous sommes en train de lire la Bible. Peut-être tu ne fais aucun mal. Tu ne connais pas, tu as parcouru tous les 10 commandements, tu as dit que tu es juste. Mais il y a de petites choses dans la Bible où Dieu tient compte de cela. C'est très clair, je voudrais relire ça en français courant. Obéissez à vos dirigeants et soyez leur soumis.
En effet, il veille constamment. Il y a des gens même qui ont des kilos, mais qu'est-ce qu'il est pour veiller? Il me surveille pourquoi? Mais c'est trop grave. C'est trop grave. Et ça, nous constatons même chez nos enfants qui sont devenus grands. Est-ce que tu peux me contrôler jusqu'à cette heure? Mais si tu ne veux pas que je te contrôle, quitte la maison de ton père. Si tu remarques que tu as déjà grand, oui, tu es grand, c'est vrai. Mais dans une maison, il ne peut pas y avoir deux chefs. Comme dans une église, il ne peut pas y avoir deux chefs. Il y a un responsable sur qui Dieu a donné la vision. Et quand nous respectons ces choses, nous serons bénis par Dieu. Qu'est-ce qu'il croit? Pourquoi il m'appelle? Pourquoi il me poursuit? Pourquoi il veut contrôler cette... Non, mais c'est la Bible qui lui donne ses droits. Ce sont ses prérogatives. Il doit te suivre. Il doit contrôler. Il doit te demander pourquoi tu as fait ceci, pourquoi tu n'as pas fait cela. Tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Ce qui est conforme aux Saintes Écritures. Quand nous parlons de ça, on ne va pas te demander, quand on te demande des choses contraires à ce que la Bible demande, oh non, j'ai obéi. Non, on obéit à ce qui est conforme à la parole du Seigneur. Parfois, nous n'obtenons pas ce que nous demandons à Dieu, parce que Dieu nous voit tout simplement que nous sommes désordonnés. Nous ne sommes pas humbles. Vous savez, quand tu ne sais pas respecter ton responsable, comment tu vas respecter Dieu que tu ne vois pas? Parce que c'est Dieu qui l'a établi. En quelque sorte, Dieu est en train de dire que ta bénédiction en dépend. Quand tu obéis à l'homme de Dieu, à celui qui te dirige, c'est in x facto, tu obéis à Dieu. Tu obéis, quand tu respectes l'homme de Dieu, quand tu respectes ton responsable, tu peux obtenir ce que tu demandes à Dieu sans effort. Il veille constamment sur vous. Quelqu'un qui veille, tu lui demandes de ne plus veiller sur toi. Tu es devenu un enfant rebelle. C'est comme ça que j'aime bien l'enfant prodigue. Il a voulu faire cette bêtise, il a quitté la maison de son père. Mais quand il a senti que loin de mon père, loin de la maison de mon père, je ne suis rien, il a dit, je vais rentrer dans la maison, je serai soumis à mon père. Vous savez, mes chers frères et sœurs, c'est un devoir. Ce n'est pas facultatif, c'est impératif, c'est un commandement. Quand Dieu nous demande d'obéir à nos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, c'est-à-dire du respect, le respect, le grand respect, car il veille sur vos âmes comme devant en rendre compte, qu'il en soit enfin qu'il le fasse avec joie. Vous savez, quand votre pasteur est dans la joie, Dieu est dans la joie, parce que c'est Dieu qui l'a établi là-bas. Il est comme un canal que Dieu a placé devant nous. Si nous voulons des bénédictions, ayons d'abord soin d'être soumis au conducteur, d'être obéissant au conducteur, vraiment obéissant au conducteur. De fait, quand vous voyez votre pasteur mécontent, il ne faut pas, ça doit vous faire très mal. C'est-à-dire vos bénédictions sont planent quelque part. Vos bénédictions planent quelque part. Faites en sorte qu'ils puissent accomplir leur tâche avec. Quand ils vous voient constamment dans l'église, parce que vous ne venez pas pour lui, vous venez pour Dieu.
Il dit, Seigneur, bénis, bénis ce frère, bénis ses sœurs, bénis leurs enfants. Ils sont fidèles à toi. Ils n'abandonnent pas leur assemblée. Vous ne savez pas quelle joie ça fait au pasteur de voir ses frères et sœurs venir à l'église. Il fait monter ses prières vers Dieu. Il dit, Seigneur, bénis cet homme, bénis cette femme, bénis ces enfants qui viennent, bénis leurs enfants, bénis leur travail. Seigneur, guéris-les, qu'ils soient toujours en bonne santé, qu'ils soient toujours en ta présence. Le respect des hommes de Dieu est de rigueur. Si quelqu'un se plaint, si un responsable se plaint, c'est-à-dire Dieu regarde, mais comment est-ce que Dieu va venir un rebelle? Et le plus souvent, vous voyez, il y a des gens qui sont doublement sous cette malédiction. Ce sont les femmes et les enfants des serviteurs de Dieu. Si Dieu demande aux autres d'être obéissants à leur conducteur, mais vous trouvez une femme qui n'est pas obéissante à son mari qui est pasteur, qui est conducteur de l'église. Vous trouvez des enfants qui n'obéissent pas à leur papa, à leur maman qui est conducteur. Et vous voulez que la maison soit bénie. Comment est-ce que la maison là, peut être bénie quand vous n'obéissez pas à la parole de Dieu? Vous n'obéissez pas à la parole de Dieu. Dieu demande aux autres d'être soumis, d'être obéissants aux responsables. Et vous qui habitez avec les responsables, vous lui créez des problèmes. Les responsables, les enfants, les femmes des pasteurs et les enfants des pasteurs et ceux qui vivent dans les maisons des pasteurs, ils ont cette double obligation. Ils ont cette double obligation d'avoir du respect envers le pasteur qui est leur mari, d'avoir du respect et de l'obéissance envers le pasteur qui est leur papa, qui est leur maman. Nous voudrions que Dieu nous bénisse. Nous voudrions que Dieu soit content là où il est. Nous disons que nous chantons toujours que la joie du Seigneur, c'est quoi Bishop? La joie du Seigneur est ma force, c'est ça. C'est ça. La joie du Seigneur et la joie du pasteur est aussi ta force. Amen. Parce que c'est Dieu qui l'a placé là-bas. C'est pour cela, par ricochet, il dit « Obéissez à vos rois parce que c'est moi. » Toute autorité vient de Dieu. Mais comment est-ce que Dieu s'occupe de l'autorité du monde et ne peut pas s'occuper de l'autorité de l'Église? Mes chers frères et sœurs, peut-être tu étais là à dire « Non, je n'ai pas péché contre Dieu, je ne suis pas allé en dehors de la parole de Dieu. » Mais ce soir, tu as peut-être vu que tu n'as pas un respect que Dieu te demande pour ton pasteur, pour ton responsable. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. En mettant cette parole en pratique, Dieu soit content. Et quand Dieu est content, tout le monde est content. Ça nous donne la force. Ça nous donne la force et Dieu exaucera nos prières sans problème. Que Dieu soit béni, que Dieu soit fortifié. Que cette parole soit gravée dans mon cœur et dans le cœur de tout un chacun qui a entendu cela. Pour la gloire de Dieu, nous avons prié. Amen. Amen. Oui, merci. Merci beaucoup, papa. Bénissons le Seigneur pour cette petite exhortation importante, petite mais importante. C'est, vous savez, hier, j'ai regardé, non, même aujourd'hui, je crois, j'ai vu une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux où il y a trois amis du président congolais. Ce sont ses amis, mais en même temps, ce sont ses conseillers.
Alors, quand le président est entré dans la salle, son directeur de cabinet qui était assis avec les trois conseillers s'est mis debout. Et non, il continue à bavarder, à causer. Pourquoi? C'est leur ami. Mais non, ils oublient que c'est le président. Et surtout quand il est dans l'exercice de ses fonctions, c'est le président. L'amitié, oui, quand c'est comment, en privé, oui, c'est l'ami, mais dans l'exercice de ses fonctions, c'est le président. Et il lui faut, on lui doit respect. Et c'est aussi ça le problème qu'on trouve dans les leaderships. Parfois, on devient trop familier avec les conducteurs. Trop familier. Et comme on devient familier, on croit qu'on peut ne plus leur obéir, on peut respecter, on peut négliger ce qu'ils disent. Mais la parole de Dieu nous recommande, nous rappelle ce soir, obéir. Obéir au conducteur, ce que Dieu a placé sur nous, au-dessus de nous, pour nous diriger. Cela est très important parce que c'est cela qui nous donne la protection nécessaire. Et il semble que les trois conseillers, il paraît qu'ils ont été suspendus. Je ne sais pas s'ils seront rétablis un jour. Donc, nous voyons que si nous ne sommes pas obéissant, si nous ne considérons pas nos conducteurs spirituels, eh bien, nous serons aussi suspendus. Dieu va nous, hein, comme quand quelqu'un, un enfant a mal agi, on lui dit, ok, you suspend, va entrer dans la chambre, va dormir. Donc, pendant tout ce temps, tout ce que les autres sont en train de regarder à la maison, tout ce que les autres sont en train de voir de bien, toi, tu es dans l'ombre, tu es à l'isolement. Pourquoi? Parce que tu as pensé que tu es tellement familier avec ton conducteur, que c'est ton papa, que c'est ta maman, que c'est ton frère, ou c'est ton fils, c'est ta fille. Alors tu penses que même dans l'exercice de ses fonctions, tu dois les commander parce que nous, lui, c'est mon fils, non? Non, il faut avoir égard. Et ça apporte de bonnes choses dans notre vie et la main de Dieu va être sur nous. Que Dieu bénisse donc sa parole. Nous allons prier pour demander à Dieu de nous aider pour que nous puissions réaliser cette recommandation qui est dans cette parole. Obéissez. La parole de Dieu, obéissez. Ici, il ne s'agit pas d'obéir à Dieu, mais d'obéir à ceux qui sont au-dessus de vous. Obéissez à vos parents et obéissez à vos responsables à l'Église. Obéissez à tout ce qui a autorité sur vous. Respectez-les. Ayez de la décence envers lui. Et que Dieu nous aide et que cela puisse devenir une réalité dans nos vies par la grâce du Seigneur. Prions. Seigneur, nous te bénissons, nous te remercions pour cette parole. Et que toi, Seigneur, tu sois vraiment glorifié, toi qui es capable de faire ce que tu demandes, Seigneur, à tes enfants. Nous venons, Seigneur, et nous prions que cela se manifeste dans nos vies, Seigneur. Nous prions, ô Dieu, pour les enfants des responsables. Nous prions, ô Seigneur, pour les conjoints des responsables. Nous prions, mon Dieu, pour que tout le monde à l'Église puisse considérer tous ceux qui sont au-dessus de lui et avoir du respect et obéir. Et obéir, c'est-à-dire, même quand il vous donne un conseil, il faut suivre ces conseils-là. Quand il vous donne une exhortation, il faut
suivre cette exhortation-là, parce que c'est cela. C'est pourquoi Dieu les a placés. C'est pourquoi Dieu les a mis là, oh Seigneur. Que toi, Seigneur, tu nous fasses la grâce de ne pas nous considérer comme étant supérieurs, de ne pas nous considérer comme ayant que nous savons tout, que nous n'avons pas besoin d'être instruits, que nous n'avons pas besoin d'être guidés, que nous n'avons pas besoin de recevoir des instructions, mais que nous puissions être, avoir ton humilité, Seigneur, par le Saint-Esprit, ton humilité pour accepter les conseils, accepter, oui, Seigneur, les instructions et obéir, oui, Seigneur, accepter ta volonté, accepter la volonté de ceux qui nous dirigent. Parfois, Seigneur, nous sommes occupés, mais le responsable a besoin de nous. Seigneur, ce n'est pas facile. Nous prions pour nos enfants. Nous prions pour les jeunes, Seigneur. On brise, Seigneur, tout orgueil et mets ton humilité, Seigneur, en chacun. Seigneur, instruis nos enfants. Oui, Seigneur, ta parole dit que honore ton père et ta mère, c'est le seul, le premier commandement avec une promesse, afin que tes jours soient longs, heureux, bons, et que tu vives longtemps sur la terre. Oui, Seigneur, c'est vrai. Si cela est vrai pour les parents naturels, cela est aussi vrai pour sur le plan spirituel, papa. Par l'obéissance, Seigneur, la vie spirituelle de beaucoup de gens a été transformée. Seigneur, que cela soit vrai pour tes enfants, Seigneur, pour nos frères, pour nos sœurs, pour nos enfants, Seigneur. Oh, fais-le, Dieu de gloire. Merci, Seigneur Jésus. Nous te remercions et te bénissons. À toi soit la gloire. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Nous allons encore prier pour recommander la journée de jeudi après-midi du Seigneur. En même temps, nous allons prier pour dimanche. À dimanche, même temps, nous prions que le Seigneur étende sa main et fortifie tous ceux qui sont faibles, tous ceux qui se sont affaiblis, tous ceux dont l'amour de Dieu a diminué, tous ceux dont le zèle pour Dieu n'est plus là. Oui, et même ceux qui sont en train de connaître une faiblesse spirituelle, peut-être à cause des situations, à cause des problèmes. Il y en a qui sont sur le point de désobéir à Dieu, de faire ce que Dieu n'aime pas. Et cela entraîne aussi une faiblesse spirituelle que le Seigneur, dans son amour, puisse le ramener à lui, puisse le redresser, le relever là où ils sont et qu'ils puissent les amener à revenir à lui et à rallumer cette flamme de zèle et d'amour. Seigneur, nous prions. Oui, voir, Seigneur, pour jeudi et dimanche, Seigneur, ce jour que nous t'avons consacré. Seigneur, viens. De plein cœur. Seigneur, que ce jour-là soit sanctifié, que ce jour-là soit béni, Seigneur, toutes nos activités, qu'elles soient couvertes sous le sang de Jésus, qu'elles soient conduites avec la puissance du Saint-Esprit. Ô Esprit de gloire, merci. Agis, Esprit de Dieu, pour le culte de jeudi et surtout la célébration du dimanche, dimanche 8, Seigneur. Nous te recommandons, ô Dieu, toutes les activités. Nous te recommandons, Seigneur, ce programme. Que toi, Seigneur, tu sois béni. Que toi, Seigneur, tu sois exalté. Que toi, Seigneur, tu sois glorifié. Et que, Seigneur, nous puissions voir ta gloire. Alléluia. Visite-nous, Seigneur.
Sois au milieu de nous, Jésus. Instruis-nous, ô Dieu. Oh, merci, Seigneur. Nous prions, ô Dieu. Tu ranimes, rallumes, Seigneur, le feu, la flamme de l'amour de Dieu dans nos cœurs. L'amour pour Dieu, Seigneur, dans nos cœurs. Augmente, remets le zèle, Seigneur, mon Dieu. Vois, Seigneur, tout celui qui est affaibli. Vois, Seigneur, quelles que soient les causes. Toi, tu es celui qui ramène. Toi, tu es celui qui cherche, Seigneur. Esprit de Dieu, merci d'encourager. Esprit de Dieu, merci de libérer. Esprit de Dieu, merci d'affranchir. Esprit de Dieu, merci de relever. Esprit de Dieu, merci de ramener plus près de toi encore. Seigneur, celui qui est sur le point, ô Dieu, de se détourner de ta volonté, que tu ta main la saisisse, Seigneur. Ouvre ses yeux, mon Dieu. Ouvre ses yeux, mon Seigneur. Et permets, Seigneur, qu'il prenne ta croix et qu'il te suive. Amen. Merci, Dieu de gloire. Merci, Seigneur Tout-Puissant. Merci, Seigneur, parce que toi, tu le fais. Merci, Seigneur, parce que toi, tu es merveilleux. Merci, Seigneur, parce que toi, tu ne changes pas. Tu l'as fait, Seigneur, avec ceux qui ont cru en toi, ceux qui ont mis leur espérance en toi. Tu le fais encore avec nous, Seigneur, parce que tu es celui qui ne fait exception de personne. Sois béni, ô Dieu. Sois loué, ô notre Seigneur. Sois magnifié, Seigneur. Nous venons à toi et nous te bénissons. Nous venons à toi, Seigneur, et nous te remercions. Merci pour tout ce que tu fais. Que toute la gloire, la louange et la bénédiction soient à toi. Au nom puissant de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Nous allons prier pour tous ceux qui sont faibles ou malades, que le Seigneur Dieu, qui les a guéris de toutes sortes, qui les a guéris de toutes ces maladies-là, par les meurtrissures. Oh oui, que la puissance de la résurrection puisse maintenant, par le Saint-Esprit, entrer en action et toucher tous ses frères et toutes ses sœurs pour la guérison totale. Alléluia. Quelle que soit la situation. Au nom de Jésus, nous prions. Oui, Seigneur, nous te remercions, nous te bénissons, nous te glorifions, Seigneur. Merci pour tous nos bien-aimés qui ne se sentent pas bien dans leur corps. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Merci, Seigneur, parce que toi, tu as souffert à la croix. Oui, vrai, par tes meurtrissures, ils ont été guéris, Seigneur. Et nous venons par la foi avec eux, Seigneur, au bas de la croix. Et là, Seigneur, nous échangeons, Seigneur, toutes situations, toutes conditions, Seigneur. Oh Dieu, toutes ces conditions, nous laissons ça au bas de la croix. Oui, Seigneur, dans tes meurtrissures, ils reçoivent maintenant la guérison. La guérison, ô Seigneur. La guérison que toi tu donnes, la guérison que toi tu donnes, Seigneur, que ce soit physiquement, que ce soit spirituellement, Seigneur, toi tu es l'Éternel qui nous a guéris, alléluia. Béni soit ton nom, loué soit ton nom, exalté soit ton nom. Seigneur Dieu, quand le médecin donne leur diagnostic, nous savons que toi tu donnes ton pronostic et tu fais le travail, Seigneur, et les médecins sont dans l'étonnement. Sois ainsi glorifié, sois exalté, béni soit ton nom, Jésus. Nous te remercions, nous te louons et nous t'adorons. Nous allons prier encore pour recommander les enfants. Les enfants sont vraiment un problème pour nous dans les églises, parce que quand un adulte comprend, il prend une décision de donner sa vie à Jésus,
Parfois, c'est facile de le savoir. Mais avec les enfants, nous ne savons pas. Parfois, on voit, mais ils le font seulement parce que nous sommes derrière eux, parce que nous les poussons, parce que nous, on est contents. Ah, mon enfant, il est comme ça, il est comme ça. Mais en réalité, l'enfant n'a jamais accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, n'a jamais compris même ce que c'est être né de nouveau ou donner sa vie à Jésus. Nous allons prier pour que le Saint-Esprit puisse vraiment agir pour amener nos enfants à Christ, pour amener nos enfants au salut, pour amener nos enfants à expérimenter la nouvelle naissance par la repentance et la confession. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Esprit de Dieu. Merci Esprit de Dieu. Nous prions, oh Esprit de Dieu, pour nos enfants. Merci de nous avoir donné ces enfants, Seigneur. Merci Seigneur, parce que toi, tu les protèges. Tu les gardes, Seigneur. Et merci Seigneur, parce que tu les fais avancer aussi dans leurs études, dans leur travail. Oh, mais Seigneur, tout cela est bien. Mais à quoi cela va-t-il servir s'ils n'ont pas Jésus, Seigneur? Oh, merci parce que toi, Seigneur, tu leur donnes la volonté de venir à l'Église, mon roi, la volonté d'écouter la parole, Seigneur. Mais maintenant, Seigneur, nous te prions que par la puissance du Saint-Esprit, que nos enfants reçoivent la révélation, Seigneur, la révélation de Jésus-Christ, mon Dieu. Qu'ils voient, Seigneur, leur état de pécheurs, alléluia. Et que par la grâce, car ils sont sauvés par la foi, Seigneur, ouvre les yeux des enfants, amène-les à Christ, ô Seigneur, qu'ils puissent vraiment expérimenter la nouvelle naissance, qu'ils puissent vraiment connaître Jésus comme leur Seigneur et comme leur Sauveur. Nous ne voulons pas, Seigneur, qu'ils puissent être remplis des enseignements humains, remplis des règles humaines, semblant de piété qui n'est juste que de la religion. Mais Seigneur, nous voulons, nous prions pour que nos enfants, Seigneur, te connaissent, ô Jésus, qui te connaissent, et qu'ainsi leur vie soit transformée, et qu'ainsi, Seigneur, ce qu'ils vont faire ne sera plus, Seigneur, des mécaniques, mais ça sera la vie, alléluia, la vie de Christ en eux, qui va se manifester et qui va croître, qui va grandir, Seigneur. Nous prions, ô Dieu, pour que tu fasses cela pour nos enfants, mon Seigneur. Touche-les partout où ils sont. Ceux qui sont déjà sauvés, Seigneur, fortifie-les, garde-les, Seigneur. Soutiens-les, ô Dieu de gloire. Parle-leur, ô Esprit de gloire. Instruis-leur, Seigneur. Instruis-les toi-même, Esprit Saint. Instruis-les. Et qu'ils grandissent, qu'ils arrivent, ô Dieu, à te connaître, à t'aimer, et ainsi, Seigneur, à te suivre toujours. Que la gloire soit à toi, que la louange et la bénédiction te reviennent. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous avons prié. Amen. Amen. Ok, papa, vous pouvez prier pour clôturer. Seigneur, nous venons d'écouter ta parole. Bénis chacun de nous, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu viens de nous écouter, tu viens d'écouter nos requêtes, tu viens de nous exaucer. Nous te disons merci. Merci. Et particulièrement pour nos enfants, Seigneur. Ah, encore une fois, je les recommande à ta grâce. Amen. Seigneur, qu'ils soient délivrés des souillures de ce monde. Oh Seigneur, parle à chaque enfant qu'il soit saisi par le Saint-Esprit. Amen. Et que nous puissions voir ses fruits, Seigneur, se manifester dans le monde et particulièrement dans notre Église.
te disons merci. Cette nuit, Seigneur, sois avec chacun de nous. Alléluia. Parle-nous, enseigne-nous, Seigneur. Oui, Seigneur. Parle-nous, enseigne-nous, Seigneur. Oh, oui, Jésus. Nous sommes réellement tes enfants. Mmh. Merci de nous bénir, merci de nous parler cette nuit. Et merci pour la bonne santé que tu donnes à chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 All right. Merci. Bonne nuit. Maman adorée, maman adopée. Bonne nuit, hein? Bonne nuit, papa. Bonne nuit. Amen. Bonne nuit chez vous là-bas. Bonne nuit, papa. Bonne nuit. D'accord. Que Dieu vous bénisse. OK, bye-bye. Bye-bye.